toquons sur la couverture en bois tel le pivert qui tape avec son bec. Un trou, celui du nid ou du haut de oiseau. Une première page en papier de soie tamponnée de silhouettes vertes de volatiles nous plonge dans l'histoire d'un pivert. Le début du texte, scandé de rimes en nez et les onomatopées reproduisant les bruits de la forêt, sont le prétexte à travailler sur la typographie des lettres qui s'animent. Cette forêt et ses habitants sont en danger. On entend les arbres qu'on écroule, les animaux en fuite, puis c'est le silence sur la vallée. Les mots s'entrechoquent alors de rimes en i. Chaque chant devient un cri. C'est l'exil qui attend Woodpecker. Fable écologique, colorée en noir et vert sur la déforestation qui se termine sur une note d'espoir. L'exemplaire de la BFM est le numéro 18 sur 130, signé, dédicacé par ces quelques mots « Que le bruit des ailes du pivert renouvelle un prochain printemps dans le monde des enfants ».